Et salut les gens, ici Wempy, comment allez-vous? Moi ça va nickel comme d'habitude. Je suis donc en compagnie de notre bien-aimé Tip Seron. Comment vas-tu? Très bien. Très bien aimé d'ailleurs. Voilà, très très bien aimé. On le sait. Et du coup, on est aujourd'hui sur, vous en doutez, un Black Ops 3. Mode zombie. Mode zombie, bien évidemment. Et du coup, bah, on s'est dit qu'on allait se faire une petite vidéo le jour de la sortie. Alors on vous raconte rapidement nos petits méfaits de la journée. Ouais. Ce matin, du coup, je suis arrivé 2 heures en retard en cours et du coup, j'ai tourné une vidéo pour le zombie, normal. Donc là, j'ai envie de dire. Clairement, et genre, et en fait, la vidéo, je l'ai mise en ligne, je sais pas si vous avez vu, mais elle a été enlevée par Treyarch pour faute de copyright parce que j'avais mis. Activision, excuse-moi. Ouais. Pour atteinte au droit d'auteur parce que j'avais mis le trailer de. Bah, la du début de la map. Hein, je pense la cinématique du début. Du coup, on va la couper obligatoirement. On s'est fait calmer par Activision, hein. C'est pas la première fois d'ailleurs, je crois. Ouais, vous nous avez déjà calmé une fois. Ouais. Et du coup, on va faire gaffe à ça. Du coup, bah, vous n'allez pas pouvoir voir la vidéo. Mais écoutez, on fait avec. La vidéo sort un peu plus tard, mais du coup, elle sera plus complète. Voilà. Parce qu'il y a à la fois sa découverte et à la fois ma découverte à moi en écran scindé. Vous allez avoir les deux. Donc là, en fait, on va commencer par notre découverte tous les deux. Et puis à la fin de la vidéo, vous aurez ce que j'ai fait ce matin. Ah, tu veux mettre. Ouais, plutôt, on va commencer par ça, je pense. C'est peut-être mieux, comme je le sens. Comme tu veux. Tu verras. On verra au montage, honnêtement. Vous aurez l'invitation. Du coup, on est parti pour 1h15 de zombies. Ouais, parce que maintenant, donc on a l'option écran scindé sur PC, parce que là on joue sur PC. Ouais. Et du coup, bah, très sympa pour les gens comme toi. Voilà, si exactement, pas, genre, scindé, parce qu'avant t'invitais tes potes et tout, mais forcément vous jouez une personne, du coup on se démerdait, on faisait la moitié de la manette pour une personne, des conneries comme ouais, ça. Mais là du coup on peut vraiment jouer à deux sur PC, et je pense que c'est vraiment un effort qu'a fait Activision qui va payer honnêtement. On leur monte un peu... Donc on a trouvé 2-3 trucs, en se baladant dans les menus. Dans le menu, regardez ce qu'on a, très intéressant. Le Gobble Gum, qui est donc la machine à bonbons. Et on peut choisir nos bonbons, justement, qui sont des bonus ou des espèces voilà. D'atouts. Donc en fait, on a vu sur la map, il y a des machines à distribuer les bonbons. Et ces machines, pour 500$, vous donnent un bonbon au hasard. Et là-dessus, on peut configurer les bonbons qu'on veut avoir. C'était où les... C'était dans méga, là. Et donc on a des méga, donc on va pas tous les montrer, mais genre il y a des munitions max, il y a des x2, mort instant. On sait pas trop comment ça marche encore, honnêtement. Il y a celui-là qui a pas trop de cheaté, non, vous obtenez tous les atouts de la carte. Normal, après il est marqué ultra rare, donc je pense que... Ça n'a pas arrivé tous les jours, je crois. Putain, c'est complètement nouveau. Hein. Ouais, mais ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ouais. On a aussi trouvé que dans le kit d'armes, on pouvait configurer les armes qu'on pouvait obtenir sur les murs et dans la boîte. Et ça m'a l'air assez énorme. Il y a la boîte aussi. Oui, il y a marqué la boîte mystère. Enfin, très intéressant. Hein. Je sais pas si ça va. Ça se déroule en fonction des niveaux, parce que vous savez que maintenant en zombie, il y a des niveaux comme on peut en multijoueur avant. C'est insane quand même. C'est je sais pas ce que ça va donner, mais ça va tout changer. Je pense que ça va changer de délire. Et donc, on débloque ça avec du. Du liquide divinium aux portes, sur les murs et aux machines à bonus. Du coup, on peut peut-être looter des trucs comme ça qui se cumulent de partie en partie et qui nous permettent de débloquer des atouts. Enfin, c'est ce qu'on a cru comprendre en tout cas. Voilà. Bah écoute, on lance la partie. Du coup, on va se voir couper forcément à cause de la petite, du petite intro, mais on se retrouve juste après, les gars. Et c'est parti. Merci Activision, on vous aime. Vas-y, 7 secondes, 10 secondes, ils se foutent de la gueule déjà. 5 secondes, c'est long déjà alors. Et là t'appuies sur B comme un gamin. Ça c'est la technique de gamin de base. Allez, on est parti. Ah, on n'a pas le trailer du coup. Du coup on n'est pas en solo. Ah bon, tu me montreras tout à l'heure, c'est pas grave. Je te le montrerai après. Bon bah écoutez, pas de coupure finalement alors. Oh regarde, il y a DiCaprio lui. Genre, carrément. Ouais, rapidement quand même. Oh, attends mec. Il n'y a pas les cheveux. Ouais, après la moustache et tout peut-être. Bah tu vires la moustache. Ouais, peut-être que tu vires la moustache. Ouais. Attends, je mettrai la tête de DiCaprio. Il a un petit air. On verra si on a la famille ou pas. Moi je trouve pas trop quand même. Lui, c'est le petit lycine des familles là. Exactement, c'est le boxeur. Donc je sais pas si vous avez déjà vu, on a parlé un petit peu. En fait, ce sont 4 meurtriers qui sont un peu comme dans Mauvaise Dead, ils sont un peu dans un purgatoire en gros. Et enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a certains hommes de l'ombre qui veulent les punir de ce qu'ils ont fait. Et chacun d'entre eux est un meurtrier à sa façon en fait. Du coup, on va bien voir ce que ça donne. Oh, je suis chaud. Let's go. Oh, la sensibilité. Hop. Alors déjà. Alors déjà. On commence par changer la sensibilité. On part tout de suite sur. Oh, la petite musique et tout. Attends, c'est dans quoi? Sensibilité de la souris. Ouais, foutons de ma gueule. Ah ouais, la sensibilité, je la trouve pas ouf par contre. Hein. Comment ça se. Non, moi je la mets à 2-20. Ma sensibilité, elle est à 2-20. Genre, j'ai carrément parlé ce matin, moi je suis à 2-20. Toi, tu dois être un peu plus. Vu que d'habitude, j'ai plus. Vu que toi, tu joues en 14. Mais là, la partie elle est pas en pause, du coup, là ça joue ou. Je crois que ça joue, j'entends la musique, ça joue là, je crois. J'espère pas honnêtement. Bon voilà, là on est pas mal. Ok, ça joue, ça jouait vraiment. Hein. Ça joue, ok. Ok. Oula. On a des petits lags. Je pense que ça va passer. Vas-y, on va explorer un petit peu. Bon.
Alors on a déjà le Sheiva ici qui coûte 500, donc je pense que c'est l'équivalent soit de l'Olympia, soit de la M14. On a les petites barrières qui nous donnent des points quand on les refait. Et du coup ça en fait, tu vois, le truc ouais, c'est là, bon. C'est pour devenir la bête en fait, c'est justement le truc à trépas là. Donc vas-y, essaye pour montrer, alors si tu veux claquer ta marque. Regarde ce que t'es. Ça c'est très chaud, et c'est ça donc les trucs dont je te parlais. Donc là on peut activer le courant comme sur Mob of the Dead, et là j'ai activé Quick Revive. Ok, donc c'est comme ça que ça marche. Et là, what, y'a un truc qui explose. Vas-y, essaie de tirer dessus un truc. Attends, vaut mieux que j'attende qu'il y ait des zombies peut-être. Essaie de le grappin peut-être. Ça marche quand même. L'autre touche. Non, je peux rien. Tu peux rien d'autre à ouvrir. Je peux tuer des zombies ou pas? Ah ouais, je peux même tuer des zombies. Je crois que tu peux les cut. Oh la vache. Ouais, donc ça ressemble vachement à Mob of the Dead pour ça là. Mm. Ok, donc là maintenant il nous faut 3 baffes pour mourir, donc ça je suis pas du tout fan. Bah ça rend le jeu plus facile en fait, mais il y a le retour aussi des doubles baffes. J'ai trouvé une pièce. Parce qu'on a vu dans Advanced Warfare qu'ils avaient rendu le zombie plus facile, on a vu ce que ça a donné. Hein. De la pure merde. Mec, tu peux cutter, genre parce que je connais pas ma touche pour cut. Interruption. Donc là il y a une autre arme sur le mur. En fait c'est le B23R, genre je l'ai essayé. Ah oui. Il s'agit mais du B23R. Il coûte 500, il coûte rien. Là, il coûte rien maintenant. À moins que le système de points ait changé, mais. On a une porte là, à ouvrir, donc pour 500. Ils sont où mes points? Je les vois pas. Ils sont en bleu. Ah, ils sont que sur ton écran. Ils sont que sur mon écran en effet. Viens, on commence à bouger. Du coup, j'ai ouvert la porte là, ouais. Donc là, okay, bah, tu sais quoi, je vais essayer d'acheter une arme. Regarde, t'as des trains et tout, c'est énorme. Oh la vache. La map a l'air vachement grande et a l'air très en hauteur, comme je disais. Ah, machine à bonbons déjà. Recherche ton minigun, mec. Mec, c'est quoi ça? Capsule. Je crois que j'ai fait une connerie. Oh, mec. Da fuck. C'est un truc à bonus. Ouais, j'ai vu, t'as un truc qui est sorti de toi. Ouais, mais ça donne des bonus. Écoute, j'ai nuke. Écoute, j'ai du zombie avant que je prenne. Attends, tue un peu de zombie. Ça, d'accord, c'est stylé quand même. Ah, franchement, ça fait pas dégager ça. Ok, là on a double coup. Ah non, stamina, pardon, énergie. Je prends la bombe pour faire 800 points. Y a un truc à faire avec les cabines ou pas? Avec la cabine, j'en ai aucune idée, mec, je te dis. Alors, est-ce que j'essaie de prendre un bonbon? Est-ce qu'on voit ce que ça donne, mec? J'ai 1800 points. Moi, je suis en train de chercher une arme actuellement. Regarde sur un bonbon. Qu'est-ce que j'ai eu? Il y a pas une arme sur un mur? Alors j'ai eu un bonbon vert. Là. Je vais le prendre à voir ce que c'est. Et écoute, j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs sur la map. Durée 3 minutes, les munitions sont retirées de votre réserve. Quoi? C'est OP? En gros, j'ai un bonbon qui dure 3 minutes et qui fait que les munitions sont décomptées de ma réserve au lieu d'être dans mon chargeur. Et par conséquent, ah ouais, regarde, c'est mon chargeur qui tourne. Donc tu recharges pas en fait? Je recharge pas en fait. Vas-y, prends. Bon, instant, prends. Ah, c'est un mec! Oh non, j'ai pas vu. Je t'ai dit prendre mon instant. Vas-y, je le tue. Vas-y, je prends mon instant. Vas-y, renez. T'inquiète, on a large le temps. Vas-y. Tu cours? Il y a personne, je crois. Il a l'air de courir vite, hein, il court pas du tout pareil qu'un. Ouais, il court plus. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? C'est une bouteille cassée, c'est rien. Ça coûte. Oh la vache, la porte elle coûte 3000, mec. Ah ouais? Ça douille, hein. Hop, je vais juste rapidement modifier mes touches parce que j'ai quelques soucis de touches, moi. Ouais, parce que tu joues sur le clavier, du ouais, coup. Du coup, avec le clavier, c'est... Bah, j'ai pas du tout l'habitude. C'est assez bizarre. Mec, je trouve pas d'armes sur les murs. Essaye de me couvrir, je pense que je suis mort. Ah, excusez-moi, mec. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, viens voir. Par exemple, le cut. Ah, bah voilà une arme. Tu peux aller me réanimer au passage? 750. Ah, oui. Ah, bah voilà, j'ai le Remington là, je crois. Oula, c'est une vague spéciale là? Ouais, je crois que c'est la vague spéciale. Donc là, tu. What the fuck? Donc là, tu vas voir des dragons verts, genre, je t'ai dit, c'est le truc vraiment bizarre. Oh, bah oui, bah tout à fait normal quoi. On voit des dragons verts tout le temps dans les codes de tir, c'est très habituel. Putain, vache. On est dégâts vite, ça. Je crois que j'ai bien fait d'acheter mon Remington là, parce que. Ça scut ou pas? Ouais, ça scut apparemment. Ok. Donc je joue en bas, hein, si vous voulez avoir envie. Si vous voulez savoir. J'ai vraiment des touches bizarres, c'est pas grave. Ok, on a quoi du coup, est-ce ah, c'est les golems quoi en fait. Ouais, c'est des golems. Ok, c'est les golems, les chiens. Du coup, est-ce qu'on ouvre la porte là, mec, pour 1000? Ah, elle coûte que 1000? Ouais, elle porte 1000 celle-là. On l'ouvre? Ouais, j'aurais pu l'ouvrir si tu voulais. Oh, t'inquiète, tranquille. On a encore un truc de la bête là. Ah, c'est quoi ça? Activer la chaîne? Vas-y, active. Je crois que c'est un piège, je pense que c'est un piège honnêtement ça. Bah écoute, ça coûte 3000 points. Viens, par contre, parce qu'on va se retrouver bloqué, du coup, si tu peux ouvrir. Ça doit être un piège. Là, on va vite. Mais mec, ça coûte 3000 points, donc on va éviter pour l'instant. Mais ouvre, t'as pas une porte là-bas? Où ça? T'as la map a l'air tellement grande là. Genre t'as une porte, hein, tu peux l'ouvrir?
On aura plus de place pour tourner parce que là on va vite se faire coincer de la porte là. T'as plus de combien? 3250 mec. Ah ouais à ce point? Ah non. Ouais. J'ai du mal à lire en fait, c'est écrit tout petit sur l'écran. Mais en fait j'ai plutôt perdu 1000 points je crois. Donc, ça devait être 1250. Ouais, ça devait aller. Ouais je pense. Essaye de tourner. Et écoute, on va essayer de vite trouver la boîte et de prendre des armes un peu plus strong. Bah surtout trouver les armes spéciales qu'il pourrait y avoir. Voir un petit masque. Oh j'ai une nuque, écoute je vais la prendre. Vas-y prends. Double point en plus, ça fait plaisir. Tu sais quoi, on va essayer de pas trop monter dans les vagues et d'explorer un peu. Sinon faire tourner quelques-uns un peu. Là déjà tu sais quoi, j'active ça, parce que je crois qu'on l'a qu'une fois par manche. Du coup, c'est peut-être comme un prépa qu'on l'a qu'une fois par manche. Et je vais essayer d'activer des trucs électriques parce que j'en ai qu'est-ce qu'on a là un peu partout. On a une machine à bonbons qui est vide, étonnant. Ah ouais? Non, on avait une machine à bonbons vide ici. Et là, on a un truc. Peut-être l'activer. F pour appeler le train, mec. On a un peu un. Ah ouais, ouais après, c'est... je peux grappiner les zombies, c'est génial. Ah ouais? Ah, la gueule que t'as, mec. Par contre, mec, j'ai rien trouvé comme courant activé. Hein. Là, j'ai rien trouvé. Ah, c'est pas grave. Je servais à rien. Là, là tu vois, on est déjà passé à côté de tellement de choses. Ouais. Mec, j'ai appelé le train, du coup. Regarde, t'as un train qui est arrivé. Ça te dit, on le prend? Ah, bah vas-y, j'arrive. Vas-y, je t'attends. Je cours. Vas-y, le. Essaye de pas le faire partir. Non, t'inquiète. Genre, je sais pas si c'est à moi de l'activer. Du coup, ça. Bah, ça part plutôt sur un transit, quoi. En fait. Essaye d'activer. Si un petit train. Ouais, c'est ton côté? C'est gratuit, hein, c'est gratuit. Oui, non, c'est parce que c'est moi qui ai payé pour l'appeler, en fait. Ah, d'accord. T'as payé combien? 500, pas grand chose. Ok. Ou 1000, je sais plus. C'est stylé, c'est un petit train aérien et tout. Ouais, ça rappelle un peu le mode transit, un peu. C'est avec pas mal, ouais. Le bus. Non, on peut pas péter les vides. Eh ouais, sympa. Attends. Franchement, ouais. Contrebandier coûte 2000. C'est quoi? Ah, c'est énorme. Okay. Ah, oui, je me disais, il y a un truc dans le mur ou ça, c'est parce qu'on a. Tu sais quoi, je le. Est-ce que je me la prends? Vas-y, je pense que je vais l'essayer. Dis-moi, c'est quoi? Un tuku au cou. Donc, sumiyoto. Écoute. 2000, c'est cher quand même. Tu sais quoi, je vais l'essayer, honnêtement. On va ok, voir. Donc on a plusieurs stations, donc ça part plutôt ouais, sur donc un c'est un peu. Ouais, un peu comme ça. Ouais, bon, je pense qu'on va éviter de sortir vite parce que le tunnel, je pense qu'on va vite le sentir passer. Mais j'arrive pas à lire les. Là, on va se renfermer là. Bah, là, on bouge tout de suite. Attends, tu sais quoi, j'active la bête. Vas-y, passe en bête. Est-ce que c'est un chacun par manche ou pas du tout? Je pense que c'est un chacun parce que moi, en fait, j'ai encore une marque, tu vois. Je peux les tuer, mec, je crois. Non? Ah non, je peux les téléporter, je pense. Les téléporter ou les rallonger? Putain, je vais faire un cercle là. Mec, là, on va vite se faire encercler. J'ai pris la dose. Tu peux pas te retourner autour. Essaie de partir. Il y a une espèce de place là. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Tous les zombies sont attirés entre eux, ça c'est bizarre. Là, mec, tu vas avoir énormément de mal. Hein. Oh, t'as fait quoi? T'as fait péter les zombies, mec? Sérieux? Vas-y. On va essayer de faire le team teams du familier. heureusement qu'on a le double Y sur ce jeu. Hein, la double baffe? Non, triple! Ah, t'étais pris 3 baffes instant. La triple? Là, j'ai pris triple baffe. Hein, t'as pris une triple? Non, je crois que t'as pris une double et il y avait 2 zombies. Du coup, le zombie, t'as mis une autre baffe. Du coup, t'as pris 3 baffes instant en fait. Putain la vache! C'est rapide, hein? Putain, je comprends pourquoi t'as fait 6 hein, ce matin. Ouais, mais genre, c'est vraiment parce que je m'attendais pas ce matin. Genre, je me suis vraiment ouais, fait. Ouais, donc la map plutôt violente quoi, parce que très serré. Là, c'est un peu comme Murray, dans vraiment série, on n'a pas beaucoup d'endroits. Donc en fait, je pense que l'endroit où au début, c'est avec les voitures ou à la première station. Il est pas si mal. Je pense que c'était pas mal, c'est vraiment une grande place pour tourner. Oula, qu'est-ce qu'on a là? Une petite animation peut-être. Ah, est-ce qu'on va devoir couper? Ah, j'espère pas. Tu l'as pas eu ce matin ça? Ah, c'est simplement le menu. Donc. Ah, d'accord, c'est bon, tranquille. On va parler là-dessus. Les impressions de cette partie, dis-moi. Attends, je regarde juste. Est-ce qu'on a trouvé des trucs? Ah, on en avait désactivé un quoi? Ah non. Non, c'est juste pour ouvrir le menu. Bah écoute, pas mal de trucs nouveaux, mais là on n'a pas eu le temps de voir grand chose. Hein. Ouais. On est passé à côté de beaucoup de choses. Je pense honnêtement. Mais en tout cas, c'est vraiment stylé comme vous avez vu le zombie. La map a l'air vraiment grande. T'as vu ça hein? Promet des choses. Hein. Waouh. On est reparti? Ouais, vas-y. Genre, du peu de vidéos que j'ai vues, tout ce qu'on a fait là, ça a l'argent. Je l'ai même pas vu ouais. Dans les vidéos. Donc la map doit vraiment être grande. Hein. Bah ouais, j'imagine. Ouais. T'as vu la gueule de la bête? C'est trop drôle. Quand je sais pas si t'as vu sa gueule sur mon écran. J'ai essayé de trouver des trucs à activer avec, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Ouais. Je pense qu'on va plus essayer de rester à la salle du début. J'ai vu qu'on pouvait descendre déjà. Comment ça on peut descendre? Oui, il y avait un petit truc pour descendre, mais je t'ai dit, il y a un monte charge au bout, mais je sais pas comment l'activer ni quoi. Écoute, on reste plutôt là et on essaye de trouver déjà des trucs ici. On essaie de sortir par une autre sortie en fait. Genre, ouais, on essaie de changer de sens. Ok, on a changé de sens. On va partir sur ça. Pour l'instant, ça ressemble beaucoup à du Black Ops 2 et ça j'aime ça. Et tu vois? Ah, tu vois, regarde, ça c'est ce que j'avais trouvé à la fin ça. Mais t'as entendu ce qu'il vient de dire ou pas? Ouais, il dit la maladie. Il a dit, vous portez la marque. Donc la marque, c'est peut-être ça en fait, ce qu'on a sur notre écran. Tu vois ça ou pas? Et ça en fait, c'est nos charges de. Merde, je clique. Tu vois ça, mec? Il y a une porte avec un bonus. Une porte à trouver peut-être avec un objet ou je sais pas. Écoute. Vas-y, va direct chercher les zombies.
Ça coûte combien cette porte en gros? Ça coûte 500. On part sur 500 déjà. Oh, c'est V pour 4, c'est assez chelou quand même. Allez, viens là, mon petit. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu m'as dit qu'un flingue était plus violent que. Enfin, que le flingue était plus violent que ceux des. Ouais, 4 balles pour tuer. Oh merde, pas de chance. Est-ce qu'on essaie du coup de passer par là? Parce que tu vois, regarde là, il y a une espèce de truc d'escalier, je sais pas trop ce ah que ouais c'est. Mais genre, je vois pas comment l'ouvrir en fait. J'ai aucune idée de comment faire. Tu crois vraiment que ça s'ouvre ou c'est juste un décor? Je sais pas, peut-être. Attends, je vais essayer de passer pas. Enfin, bon. Là, active le truc électrique là, tant que tu y es. Tu vois, la porte elle est spéciale là quand t'es. Là, active ça tant que tu y es. Ça. Ah ouais, fais voir un peu. Quoi? Wesh! Ça va, calme? Wesh! Mais là, la triple buff de la partie d'avant, elle m'a pas mis bien là. Double point, vas-y, profite. C'est bien ça. Oh merde. Ah merde, pas fait exprès. C'est pas grave. Vas-y, j'ouvre. Ça fait 800. Je vais prendre le Bévers parce que je l'aime bien, mine là. Ok, alors là. Du coup, c'est changé de côté. On va raser les murs. Ah, elle a changé de couleur à goûter, je sais pas si c'est important. Alors, cette porte, elle est à 1000. Elle est à 1000 cette porte. Ah, là il y a un. Ouais, par contre, c'est presque sûr qu'il y a un secret dans la map. Hein, genre. Ouais, ouais, ouais. Quand tu vois la taille. Ouais, quasiment sûr. Voilà, donc c'est là qu'il faudrait qu'on aille, c'est en bas dans les égouts là. Ouais, bah on va essayer d'y aller. Écoute, on va juste cette vague pour faire quelques points. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a un truc électrique, j'ai l'impression d'en activer. Eh mec, là il y a encore une bouteille cassée. Putain, je suis vraiment pas cut avec le clavier, c'est insupportable. Ah ouais, il est trop bien le flingue. Genre, t'as vu, il est genre vague 3 en moins d'un chargeur, tu tues un zombie. Normal. Je t'ai dit 4 balles. Sans la tête quoi. Ah ouais, il est méchant. T'as vu, désolé, j'ai. Ah ouais, t'as raison, donc il y a un monde de charge. Alors comment on fait? Je sais pas du tout comment l'activer. Attends, je vais laisser ce zombie. Reste le seul. Il y en a là-bas. Il y en a reste deux. Moi j'en ai un. Mais non, mais il y en a plus, il en reste plusieurs. Non, c'est bon, il y en a un sur moi là. Non, mais là. T'inquiète. On a pas de chance là. Ah, t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, du coup, il y a ça, mais je pense qu'il faut faire un petit tour de map pour pouvoir y accéder. Hein. Est-ce que j'ouvre la grille qui est là? Tu vois, c'est la grille de tout à l'heure là. Est-ce que je l'ouvre? Attends. Mais attends, mais. Ah oui, écrit 1000, moi je lisais 3000. Ouais, ouais, genre c'est vrai que c'est assez ennuyeux quand même. On voit pas, on voit pas beaucoup. Je vais peut-être reprendre le pont d'avant parce qu'il était vraiment pas dégueu. Moi je sais pas, le bien faire, je l'aime bien honnêtement. Genre il a un autre nom, je vais mettre du temps à lui faire. En fait, y a peut-être pas tant de trucs que ça. Moi je te dis, les bouteilles de différentes couleurs ça m'intéresse parce que c'est peut-être un truc de secret. Hein. Peut-être que c'est en rapport avec le secret, ouais. Bon, les armes qui font quand même vachement futuriste. Hein. Ouais. Après, je trouve que les zombies courent beaucoup plus vite. Ah, c'est quoi ça? Protecteur civil? Je t'en dis. Mec, il y a un protecteur civil qui est désactivé. Attention derrière toi. Il y a écrit protecteur civil désactivé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des petites médailles et tout, carrément. Ouais. Attends, ça commence à courir bien vite là. Ouais, on essaie d'en laisser un. Moi j'en ai un si tu veux. Logiquement, il y en a un dans le spawn derrière. Moi je me le garde, je me le garde. Tranquille. Ça va? Là, il en reste deux. Vas-y. Bute-les, tu peux te les faire, moi j'aime bien. Oh putain, je suis un homme curé. Non mais là, ça c'est pas acceptable ce que je fais. En fait, il a bugué. Là, j'ai fait un. Ouais, il y a eu un lag. Alors là, j'ai fait un vieux truc d'handicapé. Ah, je suis la meuf, moi. Parce qu'elle s'est mise à courir. Ouais, elle s'est mise à courir. Je suis la meuf, moi. T'es qui, cette toi galère t'es de... le boxeur. Cette galère de la garde en vie. Hein. Non, c'est pas grave. Bon, non, mais là, là j'ai mongolisé là. Je m'attendais pas à ce qu'il court. Là, on a 4000 points, mais il faudrait quand même courir. Attends, bouger, avant, on est parti par là. Qu'est-ce qu'il y a? Avant, on est parti par là. On est parti. Ah, c'est la vague des dinos. Viens, on part par là. C'est la vague des trucs chelous là. Ouais. Du coup, on se la fait. Ah, j'ai plus de balles de l'éventail, ça c'est ça. Il bouge vite. Hein. Là, il bouge vite, c'est pour ça. En fait, essaye de viser, genre de déviser rapidement. Et oui, parce qu'elle aide à la viser en plus. Mais par contre, j'arrive pas à me rendre compte à quel point ils font mal. Ouais, c'est difficile d'estimer leurs dégâts. Et ouais. Oula, il me prend dessus quoi? Un kamikaze? Ah là, on se bloque là. Ouais, faut qu'on évite. Oh, je suis rouge. Ah, il a pas assez de range, mon pompe. Ah, mais on peut esquiver leur balle. Hein. On peut assez facilement esquiver leur balle. Ok, est-ce qu'on en garde un ou pas? Ça répond à la question. Ça répond à la question. Le munition max, il descend par terre. Ouais, ouais. Bonne chose à savoir.
viens d'essayer de descendre, on essaie d'ouvrir là, parce qu'on va pas, tenir longtemps. Hein. On essaie d'ouvrir par là. Ouais, là pour l'instant, je vois pas trop d'autres choses pour l'instant. Là, on peut peut-être tourner un peu. Defense. Ah, ça, je l'ai vu, ça, rapidement. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Ah, tu vois, il y a encore un truc là, comme avant. Un coup d'âme. On va essayer de la prendre. Regarde, là, il y a encore un truc comme au spawn là. Ah, ouais, peut-être que c'est un lien ou je sais pas. Donc, non. Par là, on a l'air d'explorer un petit peu. Ah, là, mec, ils commencent à devenir les zombies. Ah, j'ai trouvé un spot de boîte magique, mec. En tout cas, sur la difficulté, pas déçu. Ah, honnêtement, tu vois, ouais. Par rapport à Advanced Warfare où j'arrive, je fais ouais, vidéo découverte, je sais pas si je vais survivre longtemps, et je fais vague infinie. Hop, tranquille, on est revenu. Tu leur dis quand tu. Ouais, mais je l'aurais pas dit. J'ai zappé. Ah, j'ai une pièce. Mec, tu sais quoi, je tente un bon. Ah non, elle est vide la machine. Tu sais, ça me rappelle un peu. Est-ce que tu pourrais essayer de garder le zombie? Putain, mais. Décidément. Ouais, mais là, j'arrive. Oh, qu'est-ce qu'on a là, Q-dame. Oh mon gars, j'avais 6600 points. Ouais, c'est normal, c'est moi qui ouvre tout. Là, s'il y avait un petit point taser. Là, on dirait une MP5, ce que j'ai. Alors là, on a l'air de pouvoir descendre vers les égouts. On va essayer d'explorer. Ah, munition max. On a encore un piège là. Mec, on se déplace vachement vite dans les égouts, c'est moi. Mec, t'es dans les égouts toi aussi? Non, écoute, je suis. Ah, bah, je suis revenu au début là. On spawn, hein. Putain, la map est. Elle est grande, hein. Pff, ah, si, voilà, donc là, je peux aller dans les égouts. Attends, je reste un peu en haut parce que je sais pas si je pourrais remonter. Si je descends. La machine à bonbons, ça me rappelle un peu, tu sais, sur Origin, tu sais, le truc aléatoire, genre, il pouvait être qu'à un endroit à la fois. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le même délire. Ouais, tu sais quoi, je vais descendre dans les égouts, parce que là, ils sont arrivés de tous les côtés, là, non? Et je rêve, il y a pas de mode facile, hein, on est d'accord? Non, il y a pas de mode facile. Ah, ça, c'est un vrai zombie, ça. Gaffe à toi quand même, genre dans les égouts, c'est vite quoi. T'es en émo? Ah, je suis en émo moi. Ah ouais, j'aurais dû activer le piège là. C'est pas grave, cours. Les zombies derrière. Je peux essayer d'en descendre. Tu les tiens ou pas? Je vois pas trop, vas-y. Pars au pire, hein. Je vais masse point, je peux le refaire. Oh, tranquille. T'inquiète. Merci. Ok, mec. Alors qu'est-ce qu'on a dans les égouts? On a encore une porte avec un. On a encore un. Oh, c'est quoi ça, mon gars? Sauf que c'est un truc. On est d'avoir un bonus, on a une putain de lumière jaune. Ça c'est au lieu, ça je sais pas, mais c'est un truc pour le secret. Ok, donc faudrait regarder rapidement les pièges. Alors, ouais, du coup c'est 1000 hein, les pièges. Donc c'est pas cher. C'est pas si cher que ça. La munition max. Voilà, c'est quoi ça? Mec. Ouais, je sais. C'est quoi ça, mon gars? Mais il est avec nous ou il est contre? Non, il est contre, je crois. J'ai trouvé un emplacement de boîte magique. Mec, donc là il y a un boss vénère. Hein. Ouais, mec, on va se foncer. Bloqué. On s'est fait gangbang, hein. Méchamment. Bon, attends. Vas-y, bon, passe un coup de fil. Vas-y, on essaye. Bon, du coup, on s'est pas fait gangbang, les gars. C'est loin. Vas-y, là, faut vraiment. On tente d'aller un peu plus loin. Je mets vraie touche. Du coup, on va se relancer une petite. Okay, en tout cas, tes impressions. Tes impressions, franchement. Ah là, franchement. Monstrueux, hein. La difficulté, là, c'est la difficulté qui m'étonne, là. On s'y attendait pas, hein. On se disait, tu sais, genre, ils ont tendance à baisser le niveau d'année en année pour que ça touche plus de public. Donc ouais, c'est un jeu qui est relativement. Quand on a vu Advanced Warfare, c'était. T'as vu la vidéo découverte, genre, j'ai fait manche infinie, enfin, je me suis suicidé, quoi. Genre, en fait, le. Comment ça s'appelle? Le jump. Ouais, bah oui, c'est quoi, donc le gay, quoi. Genre, tu alors là, comment on fait pour survivre? Bah, je pense plutôt que d'explorer. Bah, faut trouver une grande salle, en fait. Mais ouais, mais viens, on laisse un dernier zombie. Genre, vraiment. Bah, ça, le dernier zombie, en fait, genre, je pense que. À chaque fois, je le vis. Et on essaie d'explorer. Oh, il y a un petit freeze. Et après, on revient au spawn et on tourne. Mais c'est quoi ce truc? C'est notre marque, en fait, genre quand on passe en bête. Genre comme ça. Genre. Ah ouais, ok, c'est-à-dire qu'on peut passer en bête encore pour en plus ça de manche. Oh mec, on vole quand on est dans la bête, un peu comme un trépas. Regarde-moi en l'air, s'il te plaît, ça doit être des barres. Tu me regardes? Vas-y. Ouais. Par contre, le boss qu'on a vu avant là, c'est celui qu'on voyait dans le trailer. Et waouh, genre le truc il est apparu sur moi, donc du coup il sort des égouts apparemment. Et waouh, mais c'était quoi ce truc quoi, genre j'ai essayé de lui tirer dessus vite fait, mais c'est vrai qu'il est sorti un peu de n'importe quoi. J'ai même pas l'impression qu'il m'ait attaqué hein, par contre au final. Genre j'étais encore à corps avec lui, il m'a rien fait. Et tu vois, je regarde ma marque, elle est pas chargée là, et je sais pas si elle va revenir à cette vague ou pas, j'en ai aucune idée. Je pense. Tu vois, la marque c'est le truc qui t'indique que tu peux te transformer en bête. Après, quel est le rapport avec l'histoire? Ça, j'en ai aucune idée. Bah, il y a sûrement des. Donc, tu vois ça? Ah, si, tu vois, ça reset à la vague. Ok, tu sais quoi, je joue. Donc, on a un trépas par vague en gros. C'est quoi ça? Signe. C'est bon.
On est de retour, les gars. Voilà, de retour. Donc, on avait juste des problèmes de mémoire, en fait, sur ce qui filme la facecam. C'est pour ça que ça a coupé. Il n'y avait plus de mémoire. C'est la vie de la guerre. Du coup, tu voulais essayer le grappin? Ouais, prends le zombie. Du coup, j'ai pris le zombie. J'ai dit j'essayais un grappin. Parce qu'il doit y en avoir pas mal. Ok, alors là, déjà, je suis sûr qu'il y en a un, je l'ai vu. C'est stylé. Alors là, on va où? Ok, on a déjà une arme, je peux pas l'acheter en bête. Là, on a une porte à ouvrir, je peux pas l'ouvrir. Oula, je suis où? Est-ce que je peux sauter quelque part? J'ai un tremplin comme si je pouvais sauter quelque part. Oh, il y a trop de trucs, je peux. Ah là! Ok, j'ai réussi à allumer un truc. Oh, c'est mastodonte! Il est où? J'ai allumé mastodonte. T'arrives à repérer ou pas? Non, non, non. J'ai pas trop réussi à voir. T'as pas ouvert une grille à la fin? Si, j'ai ouvert un truc, mais je sais pas c'est, si. C'était par où en fait? Genre, dis-moi où est-ce que t'as grappé? T'es par là-bas? Bah là, derrière. Là, derrière ce bâtiment là. Là-haut? Bah viens, on essaie d'aller derrière. Et on essaie de trouver Masto. Parce que Masto, c'est quand même. C'est Masto. Eh ouais, Masto serait divin. Masto, ça ferait plaisir. Qu'est-ce qu'on a là? Un cul-de-sac? Génial. Ah, une petite porte encore. On va être mal, attends, je vais chercher le zombie. C'est là, c'est là. Ah, mais voilà, c'est ça que j'ai ouvert. Nickel. Oh, et donc t'as réussi à ouvrir Masto. Je prends le zombie. Vas-y, je vais chercher Masto. J'ai 2000 ou 2800, j'arrive pas à voir de points. Je suis Masto. Dis-moi, j'ai 2800. 2800, ouais. Ah, nice. Mec, c'est que j'ai 2440. Mais viens mettre des balles aux zombies. Bah, viens, remonte, viens. Non, va faire des barrières plutôt. On prend pas de risque, va faire des barrières. Je vais pas reprendre celle-là. Viens prendre le zombie juste que je prenne Masto. Vas-y. Viens là, toi. C'est bon. Alors là, ça va être vraiment cool. C'est bon, je l'ai. Nice. Regardez là, on a un espèce de tremplin. C'est pour descendre là où je suis. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de trucs. Hein. Ah, on a une grosse pièce là. Oula. Là. Essaye d'aller l'assembler. Ah, là, on a un beau bouclier anti-zombie Origins. Hein. Vas-y, viens. Essaye d'aller l'assembler peut-être. Ah là, au cabaret. Attends, tu veux que je te prenne les zombies là ou quoi? Vas-y, je vais acheter les. Ah, là, t'as vu, ils sont là, les bonbons. Ils sont là. Ouais, je vais me faire 2-3 barrières si j'en trouve. Je testerai bien combien de baffes le zombie me tue avec mastodonte, mais ouais. J'ai pas trop envie en fait. Il vaut mieux pas. T'as me fait peur, j'ai l'impression qu'il est derrière moi. 2500 piles, mec. Ok, nickel, t'as vas-y. Ah, il y a encore un. Regarde, il y a encore une bête. Ah non, il y a écrit que ça dort. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Genre. Tu vois, genre, on peut pas utiliser le même pylône tous les deux dans la même mag en fait. Donc, du coup, vas-y, je suis. Vas-y, le tremplin, vas-y. Si y a un tremplin, c'est que je meurs pas. Non, je pense pas. Ouais, c'est bon. Zéro dégâts de chute, au calme. Ok, tranquille. Qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre? Oh, on a plus de points de toute façon là, donc là on va tourner. Hein. Et on voulait voir autre chose avant de partir, je pense. J'essaie de lui saisir un. C'est quoi ça, mec? C'est quoi ça? Tu veux que je sais de passer en bête? Genre, il y a un truc là, peut-être qu'il y a un truc à faire. Ah, il y avait là. Ah non, j'ai rien dit. Donc, je sais de passer en bête parce qu'en général, c'est un peu comme. Tiens, le zombie, je retourne au spawn. Non, j'ai pris la bête. C'est pas... Parce qu'un peu comme Mouse Dead en fait, tu vois, genre là où il y a des trucs à trépas, c'est qu'il y a des trucs à faire. Du coup, on va chercher un petit peu. Est-ce que je peux graver ça? Oh, j'ai gravé ça là-haut. Je sais trop ce que je voulais faire. En fait. Où est-ce que je suis tombé? Ah, t'as pris un grappin là? Là-haut, il m'a tiré par là. Je sais pas trop ce que j'ai fait. T'as eu un grappin là? Ouais. Essaye de. Il y avait un spécial, il y avait un spécial où j'étais. Mais t'as pas repris le même que j'avais pris quand même? Non, 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 je sais pas. Parce que il y en avait potentiellement un troisième encore derrière. Mm. Et donc on disait, je sais pas si la facecam était coupée, mais quand on revient du mode bête, on fait une grosse explosion qui tue les zombies. Et donc si ça one-shot les zombies, ce serait très fort dans les games où on fait des records. Parce que ça permettrait de one-shotter un gros tas de zombies en fait. Ouais, je pense. Donc, après, il y a tellement de zombies que est-ce que vraiment une explosion ça changera grand chose? C'est toujours une vague de plus, tu me diras. Je sais pas. Est-ce qu'on prend le train du coup? Ah merde, il y a une porte là. On a plus d'argent en fait. C'est vrai? Mec, mais t'as vu qu'il y avait une porte avant le train? Ah non, j'ai pas vu. On prend le train ou pas? Moi j'aime bien l'endroit où on est, honnêtement. J'aime bien tourner là. Genre, je me sens à l'aise ici. Mais là, mec, j'ai pas d'armes. T'as vraiment rien? T'as pas de balles? Ah, genre, moi j'ai pas de balles non plus. Hein. Ah putain de merde. Dis-moi que t'as une autre arme quand même. Non, enfin j'ai ça quoi. On fait quoi? On tente une vague là? Mais faut pas qu'on tourne tous les deux au même endroit. Moi je vais tourner au spawn, tu tournes là. Tu penses que tu arriveras à tourner au spawn? C'est pas facile hein. Ah sinon mais il y a... T'inquiète. À côté du spawn ça devrait aller quand même. Là mec, si on tourne à deux là c'est du suicide hein, j'ai bien vu à la vague d'avant. Ok, bah, on va tourner le spawn, écoute tu me dis quand t'es bon, et puis on lance la vague. Ah, est-ce que j'ai pas assez pour des munitions par hasard? Ah bah, presque je pense. Vas-y lance. C'est bon? Quoi que c'est combien les munitions? Oh c'est 300, nickel. Genre assez pour des munitions. Hop. Ok, bon, par contre, munitions, c'est pas de la PLS. C'est... Mais on a masto au final? Oh mais on a masto ouais, donc ouais. Dans le fond, on pourra toujours le faire à la grenade ou. Là, on est bien. Au gun. Ah, vague spéciale. Voilà. Tranquille, il y a un munition max à la fin. Tranquille, mec, il y a un munition max après ça.
Le principe en fait avec ce truc c'est beaucoup se déplacer. Mec, tu penses que genre, si on va pas dans l'égout, est-ce que le monstre qui s'invoque il peut quand même nous trouver ou pas, tu penses? Si on va quoi? Si on va pas dans les égouts. Je pense un petit peu comme quand on allume pas le courant, y'a pas de gollum. Ok, changement de caméra d'urgence. Encore plus de mémoire. Ah, c'est vraiment la vidéo de la galère quoi, c'est... Vous inquiétez pas. C'est la vidéo faite un peu à la rage. Est-ce que t'as fini? Attends, je vais peut-être racheter des balles moi quand même avant le... Qu'est-ce qu'on a dit? Bah on a dit qu'il y avait les bonbons à deux endroits en même temps, on a remarqué. Ouais. Et voilà. J'exploite, rien d'intéressant j'ai l'impression. Donc là c'est bon, on se barre? Attends, je suis juste à recherche d'une arme. Est-ce que t'aurais pas vu une arme dans le coin, dans le cabaret? Je sais pas, il doit y en avoir, je pense. Je sais pas. Je sais pas, mais c'était chelou. Me dis pas qu'il est mort sans qu'on le tue et du coup qu'on... Ah non, c'est bon. Il me sort. Il est mort tout seul. Oh mec, quoi? Là, si j'ouvre là, on peut traverser le pont et arriver carrément de l'autre côté. Va tourner dans le pont, hein. Tu sais que la vague a commencé. Hein. Bien. Je crois qu'on t'es chez moi là. Je crois qu'on se barre. Non, mais il est mort tout seul, je te dis. Ah, vite. Cours vite, hein. Ouais, après, t'as ma sauce, tu vas te réussir. Bah, faut juste pas que je me fasse bloquer en fait. Genre, pas comme là par exemple. T'as ma sauce, ça va, tu dois tenir. Au pire, tu prends un trépas. Faudrait que je tente le piège quand même. En tout cas, là où je suis, il y a vraiment pas mal de place, donc c'est plutôt confortable. Ça m'intrigue. Hein. Le truc, le protecteur civil, là, je crois qu'il y a un nombre dessus. J'essaie de pas tuer le zombie, c'est bon, t'es bien ton point. Ouais, je suis en point. Ouais, ah, mec, c'est chaud de tourner. C'est quoi, j'ai vraiment pas acquis à mort. Vas-y, essaye. Je prendrais bien un petit bubblegum, là, mais ça va être tendu. Prends pas trop de risques. Hein. On est assez bon, mais il n'y a rien. Non, franchement, ça se fait. Faut tout de suite repérer quand il y a une nouvelle map les points pour paquet. C'est ça qui va vous permettre d'aller un peu plus loin. Ça va, les murs ont pas trop l'air de bloquer. Tu sais. Ouais, c'est pas. T'as des murs vénères genre, qui te bloquent bien, tu vois, où tu passes jamais. Là, ça va. Là, ils m'ont l'air d'être flexibles, on va dire, les murs. Ah bon, mec, il y a un truc qui est bien vénère, c'est les portières des voitures. Genre. Ouais. C'est un peu comme des coins en fait. Je t'en ferai à la fin de la règle. Ah, le chargeur est énorme. Ah, le pompe, t'as la M1427, mais je le sens passer. Putain, là c'est vraiment des films. Évite de tuer le dernier, s'il te plaît, je vais peut-être aller chercher les munitions. Bah là ça spawn plus. Hein. Ouais, donc fais gaffe. Un cul-de-sac comme ça, à mon avis, il y a un truc qui est caché derrière. Hein, ça. Le vieux cul-de-sac avec le truc en bas. Ouais, à mon avis. Ouais, il y avait la porte au fond. J'arrive pas à les finir. T'as des balles? Si. C'est bon, il en reste pile 1, mais il a pris des dégâts. Bah vas-y, tu le tues. Moi je suis attends, c'est quoi ça? Sauf si tu veux te changer, toi. C'est quoi cet endroit, mec? Marqué quoi? Bah, c'est spawn, ça. Ah, oui, c'est le spawn. Je me disais, une porte qui s'est ouverte toute seule et tout. Bon, rien du tout en fait. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye la nouvelle porte ou est-ce qu'on prend le train? Il a pris des dégâts, le zombie. Ouais. Si on prend le train, il va mourir. C'est comme dans le transit, quand tu prends le bus et qu'un zombie a pris des dégâts, mais la porte, genre, elle m'a l'air d'apporter rien d'incroyable. On tente la porte, c'est pas grave, au pire. Donc comment? T'as 4000 points. Ah, j'ai 4000 points, vas-y, on va tenter la porte. Ouais, autant explorer déjà bien cette partie. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Ok, on va tenter ça. Donc la porte, regarde, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Il y a une nouvelle arme. C'est quoi comme arme? IV-40, je sais pas, c'est vraiment des noms. C'est quoi? Je le prends. Oh mon gars, ça a l'air d'être un bon gros fusil d'assaut. Oh, un truc pour fabriquer. Une table de craft. Nickel. En fait, c'était vraiment une table de craft spéciale qu'on avait. Ouais, au cabaret. Mec, regarde, F pour dégager. Ah non, c'est juste un truc pour enlever des bombes et pour pouvoir sauter quand on pack ou un truc comme ça. Donc là, regarde, c'est là où j'étais quand j'ai pris... Là, il y a un truc de bec, est-ce que je peux transformer? Regarde le grappin, mec, c'est ça, en fait. C'est ça, le grappin. Mais c'est quoi, ça? Là, c'est là où il y a Masto, en fait. Là, on est arrivé là où il y a Masto. Oh, emplacement de boîte magique, ça. On l'avait pas vu. Ah ouais. Ça, c'est un emplacement de boîte. Ah, j'aimerais trop trouver la boîte, par contre, avant la fin. Ouais, ça serait cool. Mais t'as vu comment elle est grande, là? Ouais, elle est gigantesque, là. Viens, on prend le train. On prend le train? Ouais. Bah, le zombie va mourir, on va se faire dans une vague qu'on connaît pas. Tu préfères pas qu'on fasse une vague? Je suis pas sûr qu'il va mourir, ouais. Moi je le sens bien. De toute façon, t'as pas de fusil d'assaut. On a Masto et j'ai deux fusils d'assaut. Ouais, on a Masto, on a des bonnes armes. Hein. Bah vas-y, go là. Ça peut se tenter. Faut juste pas rester ensemble après. Allez, on sinon, on va se bloquer. Vas-y. Ah, mais non, on aurait dû le prendre dans le bus. Ouais.
On le faisait tourner en bus. Mon dieu, on est con. Contrebandier, du coup 2000 points. Ça doit, mourir. Elle a ça doit être bien fort comme arme. Il y avait quoi là? Il y avait un bouton ou pas? Ouais, peut-être qu'il y a deux boutons. Je sais pas. Genre, il y avait il est pas mort. Il est pas mort, sinon ça aurait déjà reset. Ah, regarde. Impossible de changer de destination. Tu penses qu'il y a un tableau de destination? Je pense qu'il y a beaucoup de gars. Canal, on arrive. Ah, regarde, hôtel là, celle-là, on était tout à l'heure. Et là, on va à Canal. Pff, oh là là, la map est belle. Et puis, se balader comme ça au-dessus de la map. Après, les graphiques sont pas top à son F2, faudrait que j'essaie d'augmenter un peu ça. Donc, c'est pas dingue là. Quand même. Ouais, parce qu'après, ça va laguer. Hein. Il a encore la méchante. Là, on a une porte. Porte à 3250 ou j'ai rêvé? Non, attends, laisse-moi voir. Oh, table de craft. Tu tiens jamais ou pas? Non. 1250 là-bas, 1250, ok. Les 3 et les 1, ils se ressemblent vachement. Petit écran là. Ouais, sur le petit écran, ça c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a à rien? Enfin, on a un grand espoir. Ah, est-ce que. Ok, tu sais quoi, j'ouvre le pont? Ah non, j'ai que 1000. What? J'ai pas 1000 points, c'est pas possible. Mais ça fait quoi, tes 4 points? Bah, j'ai ouvert la porte, j'ai pris l'arme. Ah, peut-être que c'est parti vite, hein, c'est une porte à 1500. Tu tiens jamais rapidement? Rapidement. Ouais, je vais. 1250. Ah, fichier. Tu peux pas me donner tes points? Attends, tiens, zombie, hein, je vais explorer vite fait. J'aimerais bien trouver des pièces pour commencer à construire un truc, tu vois. Bah, cherche dans les coins un petit peu par là, tu vois. Genre, c'est là qu'on trouve des pièces en général. Ah, c'est pareil, 1250. Hein. Ouais, bah, c'est chaud là, va falloir faire les. Est-ce que je passe en prépa? Il y a peut-être un truc à faire. J'ai passé en prépa. Vas-y, t'es quoi, essaye. Alors, regarde, on grappe pas. Je vais se dépêcher en plus, là, j'ai plus beaucoup de temps. Un grappin. Oh, j'en vois pas. Oh, peut-être un truc par là, non, une porte. Ah là, il y a encore un truc pour monter là. Putain, ça veut dire, c'est quoi ça? Il y a encore un truc pour monter. Est-ce qu'on peut pas. Ça marche pas avec ça? Ah, attends. Ah, si, courant. Ah, ok, ça s'active en bestiole, quoi, en gros. Bon, ouais, faut qu'on commence, hein. C'est quoi? Oh, attends, mais j'ai peut-être assez pour ouvrir. Ah, mec, il manque rien du tout. On se colle à la porte et tu tues quelques ennemis? Ouais, je pense qu'on fait ça. Et là, ça parle de boxe là. Ah toi t'es Leonardo DiCaprio. Mais tu sais pas que c'est les vieux merdes. Je sais pas, c'est le boss. Oula. Oh il est là, il est en haut. Il a eu quelques points. T'es assez ou pas? On se sépare. Ouais, moi je suis parti à droite. Est-ce que je pars dans les égouts ou pas? C'est tendu dans les égouts. Hein. C'est tendu tout court là, mec. Ouais. Enfin, merde, mec, je pense que dans les égouts c'est mieux que n'importe où d'autre. Je vais dans les égouts. Avec le boss, il est là. Il fait quoi, ce boss? Il est avec moi, hein, il aime bien, je crois. Moi, genre, si je me trouve pour une porte fermée, genre. Du coup les gars, bon après toutes ces aventures de caméra. Ah ouais, mais là caméra on a été gâté, hein. Genre comme ça. Quand je suis mort à la fin, c'est quelqu'un qui m'appelait en fait. Du coup ça a coupé la facecam et j'ai essayé de répondre au téléphone et de jouer en même temps. Du coup je me suis fait bloquer. Et du coup après j'ai pris toutes les deux vagues de deux côtés. C'est un peu bête parce qu'on commençait à aller loin, quoi. C'est un peu dommage, mais En tout cas, honnêtement, surpris par la difficulté. Genre agréablement surpris au final. Oui, enfin j'ai dit surpris. Ça, tu vois, c'est du bon zombie comme on aime. Ouais, c'est du bon triarche. J'ai bien. Ouais, tu vois, on a eu quoi? On s'est servi un petit techno zombie qui était ridiculement facile, honnêtement, qui n'avait pas trop d'intérêt. Et là, on a. Enfin, là, c'est dur, là, on a des bons zombies là. Et puis, on a des bons éléments qu'on avait dans les anciens zombies et pas mal de nouveautés. Aussi, ouais. Genre. Beaucoup de nouveaux trucs. Ouais, c'est ça. Texte qui arrive pas de nous casser les couilles avec ces notifications. Donc, ça reste une vidéo découverte. Hein, donc, on savait vraiment rien. Très loin, on a fait vraiment le début, c'est les premières impressions. Voilà, on essaie de se balader le plus possible, j'ai envie de dire. Ouais. On n'avait pas beaucoup de temps, donc on n'a pas pu aller très loin, ça c'est un peu dommage.
Mais du coup, demain on fait une vidéo plus approfondie. Ouais, justement, on va plus s'organiser, on aura des bonnes caméras et tout, et je vous assure que ce sera nickel. C'est ça. Et du coup, demain... Donc, demain, on s'organise un peu mieux, on aura plus de temps, et on essaiera d'aller beaucoup plus loin et d'approfondir cette map et ce mode zombie. En tout cas, vraiment, bien surpris, parce que ça m'a vraiment l'air d'un truc de qualité. Ouais, pas déçu. Pas déçu du tout. Pour l'instant, pas déçu. Hein. Et écoute, on se fait ça demain, écoute. On part sur ça. Bon, salut les gens, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ouais. Si c'est le cas. Faites un peu à l'arrache, malheureusement. Mais ouais, désolé les gars, mais c'est voilà, on l'a organisé au dernier moment. On a dit, on est sorti du lycée. Il m'a dit, tu viens chez moi, on fait une vidéo. J'ai dit, vas-y. Du coup, c'était. Il y a eu des aventures. Ouais. Mais bon, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez vu des choses qu'on n'a peut-être pas vues, parce que vu qu'on est dans l'action du jeu, on a peut-être zappé des trucs qu'on aurait pu voir. Voilà. N'hésitez pas à nous signaler ce que vous avez vu dans les commentaires. Ouais. Nous donner votre avis, et donc il y a la vidéo du multi qui devrait sortir dans pas longtemps que Vali va faire. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, demain on y retourne. Quoi, voilà. On est reparti. Hein. Demain il y aura plus de montage, donc peut-être qu'elle sortira pas demain. Peut-être qu'on va peut-être attendre dimanche pour la sortir parce qu'il y aura masse montage. Il y aura au moins 3 heures de gameplay, je pense. Si on y passe bien la soirée. Du coup, ça va être sympa, honnêtement. Ça va être très sympa. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le mode vous plaît. Et ma petite vidéo découverte du mode zombie de Black Ops 3. Donc on a toute la tips, et on vous dit gardez la pêche. Gardez la pêche, à la prochaine, à demain ou à dimanche. Salut les gens. Allez, ciao tout le monde. Eh bien, salut les gens, ici Wimpy, comment vous allez? Moi, ça va super bien, écoutez. Du coup, on se retrouve comme promis sur Black Ops 3, que j'ai enfin réussi à lancer, parce que j'ai eu pas mal de soucis de driver avant, assez saoulant. Mais bon, c'est bon, nous avons le jeu, et du coup, nous allons aller en zombie, donc on va bien voir ce que ça donne. Donc vraiment, comme je vous ai dit hier, je sais pas si vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'annotation pour aller la voir. Je me suis vraiment pas du tout renseigné sur le zombie, du coup, je sais pas du tout ce que ça va être. Juste là, genre, ça me fait plaisir, genre, parce que le personnage a l'air sympa, et puis, genre, les zombies... J'y ressemble un petit peu aux zombies d'origine. Je sais pas, peut-être que la map est dans une forêt. Maintenant, j'ai aucune idée. On va bien voir. Du coup, on va aller en solo. Du coup, on a qu'une seule map, Shadow of Evil. Alors, on va voir. Et c'est les rues de Morgue City pour enfin, les morts. D'accord, donc en fait, ça va être dans une ville. On va bien voir ce que ça va donner. Écoutez. Eh bien écoutez, ça m'a l'air énorme. Hein. Du coup, on joue avec une manette. Oula. On va se calmer 2 secondes déjà. Donc honnêtement, déjà le trailer, genre je sais pas si c'est le trailer que vous avez vu, mais en tout cas ce que j'ai vu, c'est assez énorme. Genre en fait, c'est 4 personnes qui sont 4 meurtriers, qui ont chacun commis un crime. Et du coup, ils sont punis. Donc en fait, c'est un peu une histoire un peu comme Mob of the Dead, j'ai l'impression, un peu comme un purgatoire. Et bien du coup ça m'a l'air bien stylé. Du coup, déjà on joue avec une manette, bien évidemment. Donc déjà la sensi, ça va pas le faire comme ça. Là c'est pas mal, ok. Putain, j'ai du mal avec la visée. Du coup l'arme tue en 4 balles j'ai l'impression, on va voir. Ouais, 4 balles. Donc c'est pas un Mother. Ok, on va réparer ça. Alors du coup en fait on a une marque sur la main. Et genre vous la voyez en bas à gauche là. Ça traverse ou pas? J'ai l'impression. Du coup, les vagues elles sont un peu comme d'avant. Genre elles s'affichent en bas à droite. On n'a pas de courant donc on peut pas prendre que crevive. Alors que normalement on peut en solo. Et là on peut devenir la bête. What the fuck. Maintenez non pour saisir. Lève pour tirer de l'électricité. What the fuck. Ils peuvent pas me toucher du coup. Ok, donc en fait on a un petit peu une mode de trépas. Merde, j'ai tiré la tête.
Ok. Donc on va essayer de visiter un petit peu. Est-ce qu'on a des armes déjà? Alors, on a quoi? Là, on a un RK5, je sais pas ce que c'est. Il y en a rien d'autre? On a une échelle là? Non, ah, je crée. Qu'est-ce qu'on a, les gars? Une espèce d'ascenseur par là. Ah, il y a un truc? Non, j'entends un bruit. Du coup, on a juste une seule arme, j'ai l'impression. Ou alors, je suis complètement aveugle. Mais du coup, on peut ouvrir par là. On va plutôt ouvrir. Il y a encore un truc là-bas pour se transformer en bête, c'est bizarre. On a des bonbons. Oh, c'est quoi, zombie? Ça semble un petit peu à Buried, genre, je trouve. Ouais, y a pas le tour, en fait, mais c'est un peu la même situation, genre, dans une ville et tout. Et je trouve ça assez stylé. Genre, déjà que j'aimais beaucoup Buried à l'époque, donc là, un truc. Qu'est-ce qui se passe par là? Qu'est-ce qui se passe? On va visiter un petit peu. Donc là, on a des atouts encore, mais une fois, on n'a pas de courant. Hein? Pour récupérer le fumigène. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une pièce, donc on a encore des trucs à construire. Oh, ça c'est cool ça. On a des pièges à construire et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On a pas là. Oh, mais cours pas, de quoi tu devais l'air? Il est pas drôle lui. Bon, du coup, on s'est trouvé une arme. Ah. On va acheter ça. On essaie d'acheter. RK5. Il a pas l'air trop mal. Là, il y a des bonbons, il va falloir que j'essaye. Ah, il y a quelques trucs. Ok, donc c'est en fait une sorte de... Comment ça s'appelle? De... Concrètement, en fait, c'est une sorte de B23R. Donc on a B23 dans le reversal, ça c'est intéressant. Hop. L'animation pour cuter est assez spéciale. Hop. Personne d'autre? Est-ce qu'on achète un bubblegum? Un truc là, un bonbon. Ah, je sais pas là. Alors j'ai envie d'essayer le plus de choses possible. Ah, du coup, peut-être essayer d'ouvrir, je pense que c'est mieux. J'ai l'impression que j'ai pas tant de temps que ça. Oh, je t'ai même pas vu. Hop, est-ce qu'on ouvre un petit peu? Moi j'ai bien envie, hein. J'ai bien envie de trouver le courant en fait. Oh, ça me ferait plaisir. T'as le mode de jeu est vraiment sympa. Hein. Honnêtement, allez, on va aller par là. Des niveaux. Ça doit être un piège, ça, à tous les coups. À tous les coups, il y a un secret en plus, genre juste aux paroles des personnages, ça s'entend. Bon, j'ai pas passé toi, donc je vais faire mon gamin. Putain, j'ai fait un peu le gamin là. Est-ce qu'il y a un truc par là? Putain, elle est violente, hein. On va se faire des points. Putain. Tu peux le gamin. Oh! Comme ça, on peut résister à 3 baffes. C'est intéressant ça. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'on a encore un truc pour se transformer en bête. Je sais pas tout ce que ça fait la bête d'avoir un rapport avec le jeu. Oh les gars, on a une vaccin spéciale. Et ça, ça fait plaisir. T'es quoi, des chiens? Des dragons volants?
Du coup, on a des trucs. Oula, c'est vraiment chelou ce machin. Putain. En plus, c'est chiant à viser. Putain. Bon, c'est un peu de la triche. Hein. Genre. Je sais pas c'est quoi ces merdes, mais. Merde! Bon, c'est bon, j'ai déjà chargé. Du coup, en fait, genre, je viens de remarquer en faisant échappe, genre, comme vous pouvez voir, on a des niveaux. Genre, c'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure. Genre, on a une barre d'XP, donc je sais pas si c'est temporaire, si c'est définitif, si c'est quoi. Un peu comme le multijoueur, je pense. Bref. Ça a l'air marrant. Donc, le mec, en fait, c'est. Enfin, niveau histoire, en fait, c'est un petit peu genre une histoire de rédemption. J'ai l'impression, genre, le mec. Genre, y'a un mec qui nous demande pourquoi est-ce qu'on a tué machin. Oh putain, j'ai pris deux buffs, instant. La fin de partie la plus minable du monde. Sans déconner. Putain, je m'attendais pas. Oh, ça m'a surpris, honnêtement. Bon, en tout cas, je pense que je vais arrêter là, parce que j'ai fait juste une vidéo ce matin rapidement. Mais du coup, mon avis sur le zombie, honnêtement, je pense qu'il m'a l'air très très bien. Après, il y a d'autres trucs que j'ai remarqué, par exemple, les doubles buffs qu'il y avait sur Black Ops 1er sont de retour. Ah, du coup, regardez les niveaux. Ils ont l'air d'être définitifs. C'est vraiment des niveaux comme en multijoueur. Ah, bref. Et du coup, ouais, je suis deuxième grade. Putain, c'est bizarre. Du coup, ce que j'ai remarqué pour l'instant du zombie, c'est que déjà on a trois. On peut encaisser trois coups dès le début de la partie. Mais les zombies sont de retour avec les doubles buffs. Donc je pense qu'en fait ils ont voulu remettre les doubles buffs. Mais que pour équilibrer ça, ils ont rajouté une petite stack de vie. J'ai pas trouvé le courant du coup, j'ai pas eu le temps. Mais j'en fais une cet après-midi, vous inquiétez pas. Et là, elle sera beaucoup plus longue, je pense. Là, j'ai fait 10 minutes de vidéo, mais je pense que je vais en faire une. 2-3 heures ce soir. Du coup. Le jeu a l'air vraiment énorme, genre la map a l'air assez sympa. Elle me ressemble beaucoup à Buried en fait. Pas dans. Comment s'appelle ? Pas d'un niveau esthétique, mais genre. D'un niveau, c'est vraiment des petits couloirs et tout, on se déplace. Au manche 5, il y a des espèces de dragons volants chelous, je sais pas trop ce que c'est, mais. C'est pas si. Honnêtement, c'est easy, genre t'as juste, si t'as une manette comme moi, à utiliser le viseur automatique, tirer, viseur automatique, tirer, viseur automatique, tirer. Niveau armes. C'est pas les mêmes, j'ai pas vu de pack à punch, j'ai vu quelques atouts, donc il y a de nouveau des atouts. On peut plus acheter Quick Revive sans avoir activé le courant avant. Ce qui rend le jeu un peu plus difficile, mais ce qui est tant mieux honnêtement. Ce qui rend les First Room par contre beaucoup plus difficile pour ceux qui vont en faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un écran scindé sur PC. ça fait plaisir. Non, autre chose d'intéressant dans le jeu, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui m'a... Vraiment, ça fait plaisir à voir. L'histoire de Beth, là, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un peu une mode trépas de... Comment ça s'appelle? Une mode trépas de... Mob of the Dead. Mais du coup, on a de l'électricité, donc je pense que ça fait la même chose. Ça doit téléporter les zombies, j'ai pas essayé. Mais ça doit faire quelque chose du genre. On est insensible, les zombies peuvent pas nous toucher. On a une jauge de... Comment ça s'appelle? On a une jauge de temps avant de redevenir humain. Du coup, je pense en fait qu'on peut... tourner autour d'un machin violet là pour se transformer en bête, et dès qu'on est dans la merde, hop, on clique rapidement, on peut s'enfuir, on peut téléporter 3 zombies et hop, on revient humain. Ça peut sauver la vie un peu, c'est quand même un mode trépas, mais genre activé volontaire, hein. Aussi il y a une fonction pour attraper des choses, donc peut-être que ça doit être utile pour aller chercher des objets ou chercher des trucs pour un secret ou pour fabriquer des objets, je pense. Enfin bref, il y a vraiment plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a intéressé? Je sais pas trop, honnêtement, genre, il y a pas mal de choses. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai vu pour l'instant. Mais cet après-midi, je vous refais une vidéo et vous allez voir, je pense qu'on va aller beaucoup beaucoup plus loin. Je suis désolé pour la vie et mort, en fait, je m'étendais tellement pas, j'avais juste une main sur la manette, j'étais en train de discuter, je me suis dit, on spawn dans 10 ans, les zombies, c'est bon, j'ai le temps. Et genre, la midi, double buff derrière, donc ça m'a surpris. Puis genre, j'ai remarqué qu'il y avait plein de zombies devant moi après, et du coup, j'ai même pas cherché à l'éviter, à peine. C'était la pire fin de partie du monde. Enfin bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était très courte. Du coup, rendez-vous cet après-midi pour une prochaine vidéo. Moi j'ai vraiment hâte, mais là il est temps que j'aille en cours. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure pour moi, et du coup, à une prochaine vidéo. Allez, salut les gens, c'était Wumpy.